On est aujourd'hui avec une enseignante au primaire, Madame Karine Saint-Cyr, qui est enseignante à l'école La Rose des Vents. Bonjour Karine. Bonjour Audrey-Anne. Donc on va commencer l'entrevue. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de détails là, par rapport à ton école où tu enseignes? Oui, mais j'enseigne dans une super école. Elle s'appelle La Rose des Vents à Pointe-au-Père. C'est une école de près de 300 élèves. Et j'enseigne dans une classe de 21 élèves en deuxième et troisième année. Excellent. Puis je pense que tu as beaucoup d'expérience en enseignement. Oui, ben j'ai commencé dès mon tout jeune âge. J'ai enseigné le patinage artistique, j'ai été monitrice de natation. Donc, j'ai vraiment fait plusieurs choses en lien là, avec les enfants. Puis, tout récemment, en fait, tu as remporté le prix du premier ministre du Canada pour l'excellence en enseignement. Donc, bravo pour ça. Là, c'est vraiment un beau prix de reconnaissance. Et nous, à Jeunes Expo, on est choyés que tu puisses être là aujourd'hui là, pour parler de ta belle profession. Hey, merci beaucoup. Puis c'est ça, c'est un petit peu comme ma coupe Stanley. Puis c'est vraiment une belle reconnaissance là. C'est ça, ça m'incite à continuer. Puis ça donne un petit peu des ailes là. Pour les jeunes qui nous écoutent en ce moment, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la formation pour devenir enseignant là au primaire? Oui, c'est ça. Après secondaire 5, la formation au collégial peut être variée. On peut opter pour un programme préuniversitaire, soit en sciences humaines, en sciences nature. Personnellement, moi, j'ai fait le programme de littérature et expression. On peut aussi faire une technique. Il y en a qui font ça. Exemple, qui font une technique en éducation spécialisée, qui décident de poursuivre après à l'université, là, au baccalauréat de 4 ans en enseignement primaire. Puis pendant la formation à l'université, je pense que c'est assez concret, là. Il y a des stages, si je ne me trompe pas, dès la première année au baccalauréat en enseignement? Oui, c'est ça. Dès la première année, on a des stages qui confirment si on est vraiment à la bonne place, si on aime vraiment ça. Ces stages-là se poursuivent à toutes les années là, du bac. Et c'est ça, les responsabilités vont en grandissant aussi. On a une place là, de plus en plus importante là, à mesure que les stages avancent. Et on finit avec le stage 4, qui est la prise en charge d'une classe. Et on commence l'année avec une enseignante là, du mois d'août au mois de décembre. Wow. Donc, c'est vraiment une expérience très concrète là, pour les étudiants du baccalauréat. Puis déjà, c'est possible de savoir si on est dans le bon domaine. Oui. Dès le départ. Donc, on le sait qu'au primaire, dans le fond, vous avez quand même un cursus à livrer aux élèves. Ça, c'est un cursus qui est assez rigide. C'est de la part du ministère, il faut s'y fier. Je crois que c'est Les savoirs essentiels. Savoirs essentiels, parfait. Puis, mis à part les savoirs essentiels, si je ne me trompe pas, je pense que dans la salle de classe, c'est possible d'être créatif, puis d'arranger un peu là, le tout avec tes propres couleurs comme enseignant. Oui, mais c'est ça, on a la progression des apprentissages, qui est le programme du ministère qu'on a à passer là, à nos élèves. Mais à travers ça, c'est ça, la manière de le passer, le quand, le comment, mais ça nous appartient. Là, on est un petit peu le maître dans notre classe là, sur la façon que ça va se passer. Et c'est vraiment plaisant parce que c'est ça, c'est là que tu peux faire ressortir toute ta créativité. User de nouveautés, partager des découvertes avec des collègues, essayer des choses. Donc, c'est vraiment plaisant. Puis cette liberté-là, moi, personnellement, c'est ce qui m'anime là, en tant qu'enseignante. Là. Oui, bien, c'est sûr que de pouvoir justement user de créativité puis d'adapter son mode d'enseignement aux élèves qu'il y a dans la classe, bien, c'est un plus. Sinon, pour les perspectives d'emploi, on a souvent la question de la part des jeunes, est-ce que c'est long avant d'obtenir une permanence en enseignement? Je dis déjà dans mon temps, mais c'est ça. Moi, ça m'a pris 8 ans à avoir mon poste. Ça a quand même été très long. Les marchés étaient saturés quand je suis sortie sur le marché du travail.
Maintenant, c'est un autre portrait qu'on a. On est souvent en pénurie de main-d'œuvre, en pénurie de suppléants, en pénurie de personnel. Puis c'est quand même un petit peu là, partout dans d'autres domaines aussi, on sent ça. Donc, les portes sont grandes ouvertes, là. On a vraiment besoin là, de relève, puis les perspectives sont quand même très bonnes là, en enseignement pour les prochaines années. Donc ça, c'est un point positif à la maison si jamais tu te questionnes là, par rapport à ce domaine-là. Donc, il y a quand même plusieurs portes d'ouvertes en enseignement pour les années à venir. Oui, Donc, Karine, vraiment. il y a une autre question ici de Julia qui se demande, est-ce que c'est possible de changer de spécialité? Par exemple, débuter sa formation en enseignement primaire et ensuite de cheminer pour l'enseignement secondaire. Je te dirais non. Moi, à la suite de mes études au préscolaire primaire, j'ai fait un certificat en adaptation scolaire, ce qui me donne la possibilité d'enseigner en adaptation scolaire. Mais c'est ça, il faut aller se chercher des crédits, puis je pourrais pas dire je m'en vais enseigner au secondaire. Ce qui peut arriver, c'est quand on manque de personnel, ça se peut qu'en suppléance, tu sois appelé dans un champ qui n'est pas le tien, mais vraiment pour avoir un poste, c'est ça, normalement, c'est ça, tu dois avoir les qualifications requises, là, donc vraiment un bac au secondaire, là. Parce que j'imagine aussi que, bon, la clientèle est différente, on enseigne auprès de jeunes enfants ou on enseigne auprès d'adolescents. Les matières essentielles, les savoirs essentiels, pardon, sont différents aussi. Fait qu'il y a quand même des exigences à respecter et c'est ça, on ne peut pas passer de secondaire primaire comme ça facilement. Oui, mais si tu prends dans la situation qu'on vit actuellement, mon collègue de classe qui fait la troisième année, c'est un enseignant d'éducation physique au secondaire. Mon autre collègue d'à côté qui a la 3 et 4, présentement, c'est ça, c'est un enseignant de français au secondaire. Donc, c'est ça, on est vraiment dans une situation exceptionnelle où, avec l'ajout de classe que ça implique, on a dû aller chercher du monde là, pour, c'est ça, pour enseigner aux classes de plus. Et puis, on sait aussi que, bon, il y a les savoirs enseignés aux jeunes, mais mis à part la portion enseignement, il y a aussi d'autres tâches qu'un enseignant doit réaliser. Vraiment. C'est sûr qu'il y a la gestion des élèves, il y a la gestion des parents, et il y a aussi toute la collaboration avec l'équipe école. Puis, dans le suivi aux enfants, mais là, t'as tout ce qui est suivi aux élèves en difficulté avec les plans d'intervention à mettre en place, avec les rencontres aussi, avec des spécialistes que ça peut impliquer. Donc, c'est ça, c'est quand même très varié là, comme tâche. Puis, après la cloche, il y a aussi... Des tâches là, de correction et tout là, à faire. Puis une question que les jeunes se posent régulièrement, c'est comment c'est la conciliation travail-famille? Est-ce qu'il y a beaucoup de tâches après la cloche? Comment ça se passe de ce côté-là? Ben, c'est sûr que c'est pas un travail de 8h à 3h15 quand la cloche sonne. C'est ça, il y a beaucoup de choses à faire après, avant. Je pense juste à la planification, au suivi aux élèves, à la correction. Donc, c'est ça, c'est tout du temps là qui dans notre tâche, mais c'est ça qu'on doit répartir là. C'est ça, soit quelquefois des soirs, des fins de semaine, mais tu sais, tout est question d'équilibre. C'est sûr qu'en enseignement, c'est ça, si on se met pas de limite, on n'arrêtera jamais. On peut peaufiner une activité là, à n'en plus finir, mais c'est ça, à un moment donné, c'est ça, faut se mettre des limites, puis c'est ça, garder l'équilibre, c'est ça, parce qu'on a d'autres choses aussi, là, on a quand même une vie, même si, tu sais, le métier d'enseignant, ça t'habite tout le temps. Moi, ce que j'aime,
Puis c'est ça, ça me fait réaliser ça justement avec mes enfants, là, toute cette question d'équilibre-là. Puis ce que j'aime, c'est que en ayant des enfants, mais tu sais, les vacances d'été, les vacances de Noël, la semaine de relâche, mais tu sais, je peux les passer avec eux. Donc, tu sais, j'ai les mêmes congés que mes enfants, donc c'est vraiment facile là, à concilier. Donc ça, c'est vraiment un point positif que j'aime vraiment beaucoup, là. Puis pour les perspectives d'emploi, je pense qu'il y a quand même une belle possibilité pour obtenir un poste de directeur d'école si l'on souhaite poursuivre là, vers cette ligne-là. Oui, ben c'est ça. Il y en a qui peuvent poursuivre la formation en administration scolaire, c'est des études de deuxième cycle. C'est ça. Et c'est ce qui est demandé là, pour accéder à la direction d'école. Chacun a ses points positifs, ses points forts, mais moi, personnellement, je ne mettrais pas les souliers d'un directeur d'école. Je suis encore très bien dans mes souliers, dans ma classe, à gérer mes élèves. Moi, je suis très bien là, c'est ça, dans mon petit royaume. Et l'aspect de proximité avec les jeunes, ben ça, j'imagine que ça vaut de l'or aussi comme enseignant. Vraiment beaucoup. C'est sûr que présentement, on est dans un contexte où la proximité, on peut pas nécessairement l'avoir ou il faut l'avoir autrement. Donc, c'est une adaptation. Pour moi, qui aime vraiment ça, faire des colloques à mes élèves, la petite tape sur l'épaule, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Mais c'est ça, c'est une adaptation puis une autre manière là, de voir les choses, là. Oui, il faut s'adapter dans les salles de classe. C'est de l'adaptation pour les enseignants. C'est de l'adaptation aussi pour les jeunes, c'est certain. Sinon, Karine, qu'est-ce que tu préfères, toi, comme enseignante? Qu'est-ce que tu préfères? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que je préfère? J'adore bâtir du matériel. J'adore ça. Puis, justement, quand tu... Bien qu'à rencontrer des collègues qui sont animés de cette même passion-là, bien, tu sais, ça devient exponentiel, puis c'est vraiment, vraiment, là, super intéressant. Il y a aussi peut-être une portion de discipline qu'on doit faire dans les classes. Est-ce que tu dirais que ça occupe beaucoup de ton temps comme enseignante, l'aspect discipline avec les élèves ou... Comment ça se passe de ce côté-là? C'est sûr que oui. C'est sûr que c'est quand même une partie assez importante là, de notre métier. D'où l'importance, c'est ça, de mettre les balises dès le début, de mettre en place dès les débuts d'année un bon fonctionnement de classe. C'est pour ça qu'on dit que souvent le mois de septembre, c'est un gros mois, justement, que les élèves doivent s'adapter, l'enseignante aussi, puis c'est ça, on met en place là, nos balises qui vont nous suivre toute l'année après. Maintenant, on est dans une situation où on revit une autre entrée de classe, c'est comme pareil. Justement, cette semaine, ça a été vraiment un apprentissage là, avec les élèves, là, les nouvelles mesures mises de l'avant, la distanciation sociale, quand je parle au lavage de mains, c'est toutes des habitudes nouvelles, c'est ça qu'il faut inculquer aux élèves, puis à nous-mêmes aussi. Mais les élèves, je trouve qu'ils sont meilleurs que nous autres, ils s'adaptent vraiment bien, là. Et ça, c'est une bonne nouvelle, puis on souhaite que ça puisse continuer en ce sens-là aussi, là. Ben merci, ouais. Sinon, Karine, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as su, toi, que tu voulais faire ça, là, comme métier? Oh mon Dieu, ça remonte à quand j'étais petite, peut-être secondaire. Tu sais, au début, j'ai gardé des enfants. Après ça, j'ai fait beaucoup de patinage artistique dans ma vie. J'étais monitrice de patinage artistique. J'étais monitrice de natation. Après, c'est tout des petits travails que j'ai eus qui m'ont fait prendre conscience que j'aimais le contact avec les enfants, que j'aimais être avec eux, puis qui m'ont incité à poursuivre après en enseignement primaire. Et selon toi, quelles sont les qualités requises pour un bon enseignant
au primaire ou au secondaire? Je pense que, mon Dieu, la qualité première, ce serait peut-être la capacité d'adaptation. Parce que même si on a un cadre de journée de 8 à 3, mais tu sais, entre cette plage horaire-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il n'y a pas une journée qui est pareille. Il y a plein d'événements qui peuvent survenir sur le coup. Donc, ça, faut savoir s'adapter, faut savoir se réajuster, réagir. Donc, je pense que ça, ce serait pas mal mon numéro un. Faut être patient aussi, vraiment. Puis, c'est sûr, tu sais, l'amour des enfants, c'est ce qui nous anime, je pense, tous. Tu sais, ces enfants-là qui sont, comme je le disais dans la présentation, nos adultes de demain. Donc, il y en aurait plein d'autres, mais tu sais, je pense que c'est vraiment les principales. J'imagine que ça doit être aussi une profession très gratifiante de pouvoir faire la différence là, dans le cheminement de ces jeunes-là. Même s'ils sont au primaire, c'est quand même la base là, côté cognitif pour les années à venir. Oui, puis tu sais, des fois, on mesure pas ou on voit pas l'impact t'sais, qu'on peut avoir chez les élèves. Des fois, c'est par après qu'on le sait, quand des élèves viennent te revoir ou quand tu sais des choses par après. Donc, c'est ça. C'est accepter de laisser un petit peu sa trace là, dans le parcours de vie d'un enfant. Non, on sait que dans une école, bon, il y a différents métiers, différentes professions aussi. Je pense que entre collègues, vous avez une belle collaboration, que ce soit avec bon la direction de l'école, les orthopédagogues, les psychoéducateurs. Est-ce que ça facilite votre travail d'être comme ça en collaboration là, avec ces professionnels-là? Oui, ben c'est ça. On n'a pas le choix de travailler en collaboration avec ces acteurs-là. Ils peuvent se révéler des experts là, dans leur domaine. Donc, par exemple, dans un plan d'intervention, mais c'est ça, d'avoir l'avis de l'orthopédagogue ou d'une psychoéducatrice, mais c'est sûr que ça vient bonifier là, nos interventions. Puis c'est ça, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire, puis on s'appuie, puis c'est ça, on chemine avec tout ce beau monde-là. Donc, il y a encore l'aspect adaptation qui est vraiment central. Puis, c'est un travail d'équipe multidisciplinaire, comme tu l'expliques. Donc, je me demande aussi si, dans la classe, est-ce que c'est difficile de gérer à la fois des élèves avec des difficultés d'apprentissage et les élèves qui sont plus en cheminement régulier, si on peut dire? C'est notre défi quotidien, c'est ça de voir justement au bon cheminement de nos élèves. Est-ce que c'est facile? Non, c'est demandant, mais c'est ça, ça fait partie de notre travail justement de s'assurer du cheminement et que nos élèves aient les services requis et l'accompagnement requis là. Il faut aussi s'assurer là, du soutien des parents aussi. Ça peut être un autre volet de votre profession. Oui, c'est sûr que avoir l'appui des parents fait toute la différence, mais c'est ça, dans notre travail, on a aussi avoir des contacts avec les parents. On gère nos élèves, mais c'est ça, on a aussi des parents là dont on doit répondre, là. Et puis, en terminant, Karine, quels seraient tes meilleurs conseils pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont un intérêt vers l'éducation et l'enseignement? Mon Dieu! mon parcours à l'université, il a vraiment été super. Tu sais, c'est pas une profession qui est nécessairement facile, mais c'est la plus belle des professions, puis c'est une profession, c'est ça, où tu œuvres avec des humains. Donc,
C'est ça, chaque jour est différent. C'est ça, tout est différent. Donc, tu sais, moi, je les encouragerais à persévérer, à continuer. Puis, si vous avez le goût de vous lancer dans l'enseignement, allez-y. Les perspectives sont bonnes. C'est ça. Excellent. Bien, comme tu le dis si bien, les perspectives sont bonnes. On vous attend, les jeunes, là, sur le marché du travail pour l'enseignement. Les portes sont grandes ouvertes. Et puis, à Jeunes Explo, bien, on souhaite éventuellement le reprendre avec les stages en milieu de travail pour que les jeunes puissent aller explorer en classe à quoi ça ressemble, là, l'ambiance et tout. Mais pour l'instant, en mentorat en ligne, on espère quand même que ça a pu éclairer quelques jeunes à la maison. Si vous avez d'autres questions, les jeunes, pour Karine, vous pouvez toujours les inscrire dans les commentaires et puis Karine pourra y répondre après la diffusion. Donc, encore une fois, on tient à s'excuser pour les problèmes de réseau de la première séance, mais voilà, on espère que ça a pu quand même être favorable pour beaucoup de jeunes à la maison qui nous écoutent. Alors, merci beaucoup, Karine, pour ton temps. Merci aux jeunes d'avoir été connectés avec nous. Et puis, on vous souhaite une belle journée.